Allô tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Vous allez bien comme d'habitude? De retour à The Vanishing of Ethan Carter. Je me suis connecté, je m'ai rentré dans le jeu, puis ce qui est frustrant un peu, c'est un de ces jeux qui décide quand est-ce qu'il sauvegarde. Je peux pas décider moi-même, fait que quand j'ai repris le jeu, j'étais l'autre bord du pont, proche du train qu'on a vu au début dans la première épisode. Fait que toute la deuxième et troisième épisode que vous avez vu, il a fallu que je recommence tout ça parce que ça n'avait pas sauvegardé et je ne sais pas quand ça va sauvegarder. Je déteste quand les jeux font ça. C'est comme si tu commences à jouer, il faut que tu joues jusqu'à temps qu'il sauvegarde ou sinon tu perds tout le progrès que tu as fait. Puis ça, c'est moins intéressant. J'aime mieux un jeu que je peux sauvegarder quand je veux. Parce que des fois, tu peux pas passer 2 heures en avant de ton ordinateur à jouer continuellement ou si tu manques d'électricité ou quelque chose. Fait que c'est le fun quand tu peux sauvegarder quand tu peux. Mais de toute façon, c'est pas grave. On va continuer à jouer. Là, on t'est supposé aller là-dedans. On va y aller, mais pas tout de suite. J'ai vu ça du coin de l'œil tantôt quand je suis arrivé ici et je veux l'examiner. Allumette brûlée, burette d'huile, huile renversée, tacheron, lampe à pétrole. Là, je vais tenter de lire ce qu'il y a à l'écran. Lampe à pétrole, lampe à pétrole. Oui, je sais, c'est une lampe à pétrole. J'avais compris. Parce qu'on m'a demandé, ben Alex m'a demandé si je pouvais lire sur tout ce qui était en bas parce que c'est trop vite pour lui. Fait que je vais tenter de lire, mais je fais pas de promesses. Peut-être ça va être trop vite pour moi aussi. Mais je fais pas de voix, par exemple. Je prendrai pas les fois. Oui, lampe à pétrole. Oui, j'ai compris. C'est beau. Jeez. Avez-vous compris, vous autres? Hein? C'est une lampe. Pourquoi ça reste là dans mon écran? Oh, faut que je m'éloigne. Je peux-tu la prendre? Non, ah non, je recommence ça. Ok, on s'éloigne. On s'éloigne. Jeez. Bon, on va-tu explorer ça? On s'en va explorer ça. Moi, je dis on s'en va explorer ça. Puis là, je vais tenter de faire quelque chose. Actuellement, j'enregistre tout le temps. Tout ce que j'upload, je le fais en 720p en me disant que 1080p, ça vaut pas la peine. Mais c'est vrai que c'est plus beau. Fait que, vu que c'est un très beau jeu, les prochains épisodes, je vais tout faire en 1080p. Même que probablement toutes mes séries Minecraft, puis ça, je vais les faire en 1080p. Fait que j'espère que vous allez apprécier la petite attention que je vous apporte. Ouh, fait noir. Bon sang, c'est un caveau, Trax m'a dit. C'est ça le mot que tu cherchais exactement, Trax. C'est un caveau. Hein? La brique est bien faite. Hein? Bon. Fait qu'on rentre dans le caveau. Et il fait noir comme j'ai le diable. Est-ce que je fais quelque chose avec la lampe ou je peux amener une lampe? Tirer. Avant de tirer là-dessus. Poignée, poignée. Corbeau, corbeau. Corbeau, corbeau, ok. Ah non, tu vas pas marceler avec des corbeaux, là. Ok, on s'éloigne un peu, fait disparaître les corbeaux. Ok. Ok, on tire la manivelle. Wow! Tellement d'action. Là, je peux pas aller là, il fait ben trop noir. Peut-être que je peux. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Peut-être qu'il y a quelque chose qui est ouvert ailleurs, on va aller voir. C'est un creeper? Ok. Il y a peut-être quelque chose à faire avec la lampe à pétrole ici. Même que j'en aurais beaucoup besoin, je peux pas. Il y a un briquet à côté. Ah, c'est vrai, je peux pas sauter. Peut-être que je grimpe ici, non? Donne-moi ta lampe, je veux la lampe! Ok. Fine. Fait que là, je peux pas aller vraiment dans le caveau parce que il fait noir, je peux-tu aller dedans? Parce qu'il fait un peu trop noir, je ne vois rien. Je ne vois pas plus que vous. Peut-être légèrement plus, mais. Est-ce quelque chose par là? Allô? Allô? Quelque chose? T'es là, quelque chose? Non, quelque chose n'est pas là. Fait que quelque chose, y a pas quelque chose là. Je vais retourner voir en bas, des fois que j'aurais manqué quelque chose. Corbeau. Ok, ça c'est un oiseau. Ok, c'est un corbeau. Ça aussi c'est un corbeau. On voit comment profond c'est. Je vais aller de reculons. Ok, c'est pas vraiment profond. Par ici, il n'y a pas grand-chose. On va se fier à la lumière du jour qu'on voit. Ok, ici c'est un peu plus profond. Non, ok. C'est pas plus grand que ça. Ok. Je suppose que d'abord, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Il y a une manivelle que j'ai tirée dessus.
Est-ce que ça l'a ouvert quelque chose d'autre alentour? Pourquoi cette manivelle? On va aller retirer dessus encore une autre fois, hein, juste pour voir. Et aussi pendant l'épisode, je voudrais peut-être aller retourner au train là-bas. Vu que j'ai trouvé la manivelle, je vois si on peut partir le train et faire quelque chose avec lui. J'entends pas rien. Ok, peut-être qu'il va falloir attendre quelque peu pour découvrir plus d'indices, savoir qu'est-ce que ça veut dire. Ah, on va examiner pinceau, seau, carcasse de corbeau. Ouais, c'est peut-être corbeau. Peinture de sang, rituel, corbeau tué, découpé avec dague, couteau, scalpel, rasoir. Peut-être c'est avec une cuillère qu'ils l'ont découpé. Bon, là, ça va être des points d'interrogation qui vont me hanter. Ok, il va falloir ouvrir les yeux un peu plus. Il s'est définitivement passé quelque chose ici. Mais quoi? Hello? Hello? Y a quelqu'un? Quelqu'un? T'es là? Bon, ok. Fait que là, ça c'est une église. On était à l'intérieur de l'église, on ne voyait pas grand-chose. Le chemin continue vers le haut par là. On va peut-être continuer. Nous autres, on arrive de là. Fait qu'on va continuer par là. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a par là, vite fait. Cours, Forest, cours! Ça, là, c'est le genre de chemin. Ça vous prend un bon camion pour passer ici. Je suis sûr que mon camion, je pourrais passer. Ici, il y a une coupe de bois. Peut-être qu'il y a quelque chose. Par ici? Ah, un UA! Hein? Imitez le cri du UA! Êtes-vous capable d'imiter le cri du UA? Je suis sûr que vous êtes capable. Écrivez dans un commentaire votre cri du UA! Oh, ça serait joli, ça. Paquet de mots. Le monde qui arrive sur mon vidéo, qui lit juste les commentaires, ça envoie la vidéo, il voit juste un paquet de commentaires, c'est juste des lettres pis des sons. Mais, ok, on va continuer, on va continuer. Oups, je voulais pas m'accroupir, je voulais courir, c'est ça. Ce bouton-là. Qu'est-ce que les morts vont dire? Vous seriez surpris par la courte étendue de leur connaissance. Les morts ne peuvent pas expliquer ce qui signifie être mort. Ils descendent des escaliers qui disparaissent derrière leurs pas, avançant vers ma clairière radieuse, une clairière radieuse de souvenirs qu'ils... quelque chose. Désolé Alex, j'ai assez de lire, mais c'est vrai que ça passe vite. Mais toi, tu peux payer sur pause si tu veux vraiment lire l'histoire. Tu peux payer sur pause, moi je peux pas. Y a-t-il une manière que je peux... J'ai pas d'inventaire ou quoi que ce soit. Est-ce que... Non. Aucune interface. Fait que je ne peux pas retourner voir ce qui a été dit. Je doute que ça soit ultra important. Il semble que les affaires importantes, c'est des affaires qu'il a examinées. Puis là, on peut toujours retourner les examiner et relire ce qui est écrit. Mais c'est ça. C'est ça qui est ça. Qu'est-ce qu'il y a par ici? C'est vraiment bien fait, c'est vraiment spectaculaire. Hein? Mais là, je me demande bien s'il est arrivé au petit Eaton. On va le parler en premier. Là, j'espère que je m'éloigne pas trop, que c'est... Je sais pas comment grand que c'est le monde. Ok, on approche le bord de la rivière, du lac. Ça doit être une rivière vu qu'il y a un barrage. C'est probablement juste un réservoir pour le barrage. Pour ceux qui doutent de ce que je dis, on ne peut pas construire un barrage sur le bord d'un lac. Ça ne fonctionne pas. Ça prend absolument une rivière. Bon, on peut faire un barrage, le bord d'un lac, il ne servira à rien, parce qu'on n'aura pas d'énergie hydraulique qui passe dans les turbines, parce que si on vide le lac à travers les turbines, le lac va se vider, et ça. Oh! Que vois-je?
On le voit sûr, ça doit avoir rapport avec l'histoire. Ok, je pensais que j'avais vu quelque chose. C'est barré par exemple. Il y a un cadenas. 550, je sais pas si ça veut dire quelque chose. Peut-être qu'on va trouver une clé un jour. Pour le moment, je ne peux pas aller là. Je vais aller voir par là. Ça doit. Ok, ça doit être l'autre chemin. Ça va revenir sur nos pas, je crois. C'est correct, je vais retourner vers la maison. Comme je dis, j'aimerais peut-être aller au train. Ouais, c'est ça, ça fait le tour. Est-ce quelque chose ici? Non. Un cul de sac. Ah, sacré sac, t'as un beau cul. Ok, on continue par là. J'aimerais ça aller au train, comme je dis. Peut-être que c'est ça que je devrais faire avant d'aller trop loin ou je continue à explorer. Bonne question. C'est nuageux. Hop là. On va regarder en bas. Je peux aller par là pour un mec qui a un mur invisible, oui. Ça, je suis moins fan de ces affaires-là dans un jeu. J'aime pas ça des murs invisibles. Mettez un armoire qui me bloque le chemin, quelque chose, une roche, mais juste le fait que je peux pas avancer une direction, ça enlève au réalisme. Les décors sont tellement beaux puis réalistes que c'est ruiné un peu avec des murs invisibles. Puis un peu aussi, ça. Des fois, ah, je sais pas, je peux aller par là, tu essaies d'y aller, tu peux pas y aller parce qu'il y a un mur invisible. Ça t'éviterait de regarder partout comme là. On dirait que je peux continuer comme la roche là-bas, mais est-ce que je vais frapper un mur invisible puis je peux continuer par là? On va aller voir. Ok, ça descend ici. On peut aller loin, fait que là, je peux pas aller plus loin que ça. Ok. Ok, ça doit être le maximum de distance que je peux aller. Ici aussi. Non. Il semblerait que mon personnage n'aime pas les branches. Aussitôt qu'il y a un peu de branches, je dis, nope, moi je vais pas là. Moi j'aime pas ça. Il doit y avoir des araignées. J'ai pas d'araignées. Avez-vous peur des araignées? Je suis sûr que la plupart de vous ont peur des araignées. Moi, il me dérange pas, ça mange des maringouins. Ma copine, par exemple, elle a une peur bleue des araignées, hein? Ah ben, c'est tout cute, c'est tout gentil. Une belle petite araignée poilue, là. Tu sais, avec les pattes poilues, là. Puis qui ont beaucoup de yeux, puis sont grosses, puis sont comme jaunes pus. Sont tellement jolies. Ok, je pense, ok, le train m'intrigue trop. On va aller au train, on va mettre la manivelle dedans. Hey, c'est quoi ça? C'est une caverne? Ah non, c'est juste une roche noire. Quelque chose ici, non? Ok. Je pense que je vais aller au train, fait que je vais vous éviter un peu parce que c'est quand même une bonne distance, puis c'est juste marcher. Fait que je pense que je vais peser ça sur pause, puis je vous ramène mes chevaux au train, ok? Ouais, c'était loin, ça. Jesus Christ, holy moly, sweet guacamole. Bon, on est au train, on est à manivelle. Je peux-tu juste. Ouais, je l'ai à manivelle, je sais que je l'ai la manivelle. Comment je fais pour m'en servir? Hey! On l'a trouvé! À moins que ça n'a pas sauvegardé et est encore à terre en quelque part que je. Ah. C'est ça! Ah! Ça, c'est frustrant! C'est où? C'est où j'ai vu la. Bon, ben, écoutez. Je vous reviens dans 2 secondes. Je vais vous couper ça encore. Je vais aller trouver la manivelle que j'ai. Qui est en quelque part par là-bas. Parce que ça n'a pas sauvegardé, fait que je reviens dans quelques instants. Bon, j'ai retrouvé la manivelle, t'es pas loin, t'es juste en bas, il est là-bas, sur le bord de l'eau. Pas très loin. N'inquiétez-vous pas, je coupe rien qui pourrait être intéressant. Tout ce que je coupe, c'est moi qui cours comme une poule pas de tête. S'il y a quelque chose, quoi que ce soit relatif à l'histoire ou un segment où quelqu'un parle, je vais vous ramener, c'est instantané, c'est sûr et certain. Fait que vous manquez rien. Vous manquez juste moi qui marche, puis ça, c'est plate. Réparer. Je veux réparer. Ah, ok, je fais juste tourner la manivelle. La répétition sur. Ok, faut que je clique sur mon putain de souris.
Vache! Wouhou! On va se promener en train. Là, je suppose qu'en avant, là, c'est pas barré. On va avancer, je suppose. Wouhou! J'espère que le pas va toffer. Ok, je peux pas aller plus loin que ça. Là, ça se peut-tu qu'il vous, fallait juste que je le bouge pour regarder en dessous. Peut-être qu'il y a des indices en dessous. On va avancer le plus loin possible. Après ça, on va reculer le plus loin possible. On va voir qu'est-ce qui se passe. Je pense que c'est pas mal le plus loin que je peux aller, ça. Hein? Ouais. Ok, on recule. Back up. Bip. 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 Tasse-toi, Germaine. Je recule. On va le reculer le plus loin possible. Ouh, c'est le fun, j'ai besoin de promener en train. C'est cool. Ben, avant d'aller trop loin, Wow. Ben, c'est assez ça. On va l'éteindre 2 secondes. Je veux juste aller voir où ce qui était stationné, s'il n'y a pas quelque chose qui était en dessous. Avant d'être rendu trop loin. Puis s'il n'y a rien, ben on va le reculer plus loin que ça. Ok, j'étais stationné ici. Non, il n'y a rien. Qu'est-ce que vous en pensez, le villageois? Eh oui, ça prenait mon imitation des villageois. Fallait que je fasse ça. Ah, on va le redémarrer. Je l'éteins, j'aurais dû le laisser fonctionner. Ça me fait penser à mon truck. Mon truck, il démarre de la même manière. Complètement, j'ai une manuelle en avant de mon truck. Je suis vieux, moi, dans mon temps, tout partait à manivelle. Ma télévision rapport avec une manivelle. Back up, back up. Come on. Bon, je peux pas aller plus loin que ça. À quoi ça sert, ce train? Examiner ça, c'est le sang qu'il y avait sur la traque. Ok, un autre énigme, j'ai aucune idée à quoi qui sert ce train. Bon, ben, je vais le stationner ici, puis on va laisser ici pour le moment. J'arrive ça à avoir plus d'indices. Là, je suis stationné sur du sang. Méchante belle place. Ça, je l'avais vu, ouais. Ok, ça, c'est la corde, ça, c'est le sang, puis c'est quoi un peu plus loin, là? Ah, c'est le bidon d'essence. Peut-être qu'il faut que je me stationne ici. On va essayer ça. On redémarre le train. Come on, baby. On va essayer de se stationner exactement sur le... Faut que l'examineux soit en dessous de moi. À peu près ici. Si c'est pas ici, ben il va rester ici. Je pense pas que ça... Ça a le rapport avec ce que je fais. Wow, c'était quoi ce son-là? Ok. Sens, c'est juste le sens. Mais vous avez entendu, je suis pas fou, ça a fait un son spécial. Bon. Ok. Étrange. Mais ça m'indique pas rien, ça a rien fait la manivelle, c'est j'ai pas eu de nouvel indice. Je ne sais pas comment tenir. Fait que je pense que je vais... C'est quoi ça? Je pense que je vais me retourner là-bas. Dans les maisons. On va continuer à explorer sur le bord de l'eau. Fait qu'encore une fois, je vais vous couper ça. Je vais marcher jusque là-bas parce que ça va être plate. Malgré que les décors sont beaux, mais ça va être plate pour vous. Fait qu'on va aller là-bas, OK? Je sais pas comment je fais pour descendre, là. Il doit y avoir quelque chose d'important, là. J'essaie tout le temps de sauter pour pouvoir perdre sa rampe. Mais je ne peux pas sauter. Voyez-vous un chemin qui pourrait m'indiquer
Je vous pose des questions comme si vous pourriez me répondre. Ouais, quand je vais mettre l'enregistrement sur pause, je vais aller voir dans les commentaires si vous avez répondu à mes questions que je viens de dire. j'essaie de voir s'il n'y a pas un chemin ou quelque chose qui m'indiquerait une direction. Voyez-vous, ici, sur la tour, la maison a comme deux tours. La tour de gauche, il y a comme des fils qui vont jusqu'à l'autre bord de la rivière. Est-ce que c'est des fils électriques? Est-ce que c'est un palan de quelque sorte? Est-ce que je descends par là-bas? Est-ce qu'il y a un chemin? Non, il n'y a pas de chemin qui continue par là. OK, on va aller par là. J'aimerais ça aller voir en bas là. Ça devrait être accessible. J'avais-tu été voir? Je pense pas que j'avais été voir. On va retourner voir. On va aller voir. Là, je sais pas c'est quand ça a sauvegardé la dernière fois. Ça me frustre. Faut que tu remarques. Si tu remarques pas que ça l'écrit en haut à gauche, ben là, tu sais pas que ça a sauvegardé. Fait que, là, je veux pas arrêter. J'approche la fin de l'enregistrement. Puis là, j'ai des choses à faire. Puis je veux pas laisser le jeu rouler tout le temps. Pip, pip. Les beaux petits oiseaux qui chantent, c'est tout gai, c'est tout joyeux. OK. Ça a gelé. Ça a donné quelque chose. C'est bon signe ou pas bon signe, je sais pas. On va aller voir par là. Ça me donne vraiment des idées pour Minecraft. J'ai traversé de nombreux portails, j'ai été présent dans trop de monde en même temps. Des morceaux de moi sont restés de l'autre côté et attendent. Dès que j'y retournerai, je rapporterai les morceaux de ces mondes. Vous savez ce que sont les fantômes? Ce sont des choses tristes et méprisées. Des souvenirs sans toi. Sans toi, pas dans le sens sans toi, ma chérie. Sans toi, pas de couverture. Un toit de maison. OK. C'est bizarre. OK, pour lui, c'est un portail, mais ça, je m'en ai dit, ça donne des idées pour Minecraft. Un jour, en 2027, c'est ça que Minecraft va avoir l'air. je peux aller sur le bord de l'eau? Ça, j'irai à la pêche. Ça ferait un beau jeu de pêche. Je pensais que j'avais vu quelque chose, mais non. Mais je sais... Ça semble. Avec le nom comme Ethan Carter, ça donne l'impression que ça se passe soit aux États-Unis, soit en Angleterre, mais. Je regarde le décor. C'est un décor qui semble plus européen, plus le ouest de l'Europe, peut-être. Pologne, Bulgarie, ça fait la même, il semblerait. Je sais pas. Peut-être, je sais pas. Ça n'a peut-être aucune incidence, peut-être dans une place qui n'existe pas. Ben, enfin. Je suis sûr que c'est une place qui n'existe pas, mais peut-être ça... En tout cas, je me comprends. L'endroit n'a peut-être pas d'importance, fait qu'il n'y a pas de... Il n'y aura probablement pas d'indice qui dit c'est où que ça se trouve. Avec le nom, on suppose que c'est une place anglaise. OK, ta gueule, Chuck, quand tu t'es exploré. Il y a des chemins qui vont partout. Oh, petite maison. Non, c'est encore une de ces... petite maison là, on va aller voir des fois qu'il reste. Pas de maison, c'est plus une place aussi qui gère l'électricité. Probablement un transformateur ou quelque chose du style. Oh, je reviens ici, OK, OK. Ah, ici, je vois, dit l'aveugle. OK, bon, ben je vais retourner par là. Ça, ça fait juste monter en haut de la colline qui va en arrière de la maison qui revient. OK. OK, OK. Ben, écoutez, je pense que je vais finir cet épisode-ci, direct ici. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est ça. C'est en plein ça que je vais faire. Je vais finir l'épisode-ci, direct ici. j'espère que vous avez apprécié. Vous appréciez les beaux soleils, les beaux lacs, le Saint-James, si vous appréciez l'herbe longue qui balotte au vent, le Saint-James. si vous avez des questions, commentaires, n'importe quoi, le soleil, ne vous gênez pas, il y a de la place pour ça en bas. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. Fait que je vous reparle la prochaine fois. Bye bye.